Je suis Laura, je suis en charge de l'équipe web au sein de l'agence No Code Termq à Bordeaux, au Chartron, et ça depuis maintenant mars 2022. Alors pour toutes les femmes qui voudraient bosser dans le milieu de l'intégration aujourd'hui, déjà le premier conseil, c'est ne pas hésiter. Ne pas hésiter parce que c'est des métiers qui sont passionnants, qui allient la créativité, qui allient la technique. Et aujourd'hui, le monde de la tech, en règle générale, manque de femmes. Donc toutes les femmes doivent venir dans ces milieux-là. Et après, le dernier conseil que je pourrais te donner, c'est vraiment l'organisation. L'organisation, parce que la technique, la créa, ça s'apprend sur le terrain. L'organisation, c'est la base pour ne pas galérer au quotidien. Alors, si je devais citer les outils que j'utilise tous les jours, globalement, le premier, ça va être Notion. Notion pour l'organisation. Ne rien oublier, on travaille sur des projets qui durent parfois jusqu'à 3, 6, 9 mois. Il faut pouvoir avoir une organisation carrée. Donc, Notion, c'est le premier. En deuxième, ça va être pour tout ce qui est maquettage, créativité, ça va être Figma. Figma, qui est un très bel outil, et tous les plugins qu'on utilise aussi dessus. Et puis le dernier, moi j'avoue, je suis une amoureuse de Webflow. Webflow qui est un très bel outil d'intégration web, no code, qui permet de produire des sites très performants et rapidement. Pour être un bon prod chez Termq aujourd'hui, ce serait d'être curieux et débrouillard. Curieux parce qu'il y a des outils qui sortent tous les jours de tout, de n'importe quoi. Le but, c'est vraiment de mettre les mains dedans, de tester, les connecter entre eux, les torturer un petit peu. Échouer aussi, parce qu'il y a des outils qui ne correspondent pas du tout aux besoins de nos clients, donc savoir les mettre de côté. Et puis recommencer encore et encore jusqu'à pouvoir sortir un produit qui correspond à nos clients dans un but de satisfaction client, tout simplement, pour qu'ils soient satisfaits du produit final.